tu es TikToker et tu veux mettre en place une vraie stratégie pour gagner de l'argent sur TikTok, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour mettre en place ta stratégie et atteindre tes objectifs sur TikTok. C'est parti. Salut, c'est Mbou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour si tu veux te développer ou développer ton activité. Si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche des notifications. Alors aujourd'hui, on va parler de comment tu vas faire pour gagner de l'argent sur TikTok. Alors on le sait, TikTok, c'est un réseau social qui a le vent en poupe depuis bien longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent se développer sur TikTok. Il y en a d'entre vous qui ont déjà créé leur chaîne. Il y en a qui ont une chaîne qui commence à être grandissante, mais qui n'a pas atteint vraiment tous les objectifs, qui ne s'est pas vraiment révélé. Donc aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais t'apprendre vraiment à mettre ta stratégie en place pour pouvoir atteindre tes objectifs sur TikTok. Donc, prends une feuille, un stylo et c'est parti, on peut commencer. Déjà, pour parler de tes objectifs, si tu as des objectifs, il faut les noter. C'est-à-dire, quels sont tes objectifs? Est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est atteindre un nombre d'abonnés? C'est pas pareil. Par exemple, si tu n'as pas d'abonnés, ton objectif c'est « je veux plus d'abonnés ». Ça se trouve, tu as déjà des abonnés, mais ils ne sont pas très engagés. Ils ne regardent pas beaucoup tes vidéos. Tu aimerais que les gens aiment plus ton contenu, etc. Donc, c'est deux objectifs différents. Donc, note ton objectif. Et ça peut être les deux aussi. Hein. Si c'est les deux, tu notes les deux, engagement et abonnés. Ensuite, quel est le nombre que tu souhaiterais atteindre? Donc, note-toi le nombre que tu souhaiterais atteindre. C'est plus facile d'atteindre un objectif quand on sait où on va. Note-toi la durée, par exemple, pour début 2022 ou mi-2022 ou fin 2022. Note-toi la durée de temps. Comme ça, tu as vraiment ton objectif qui est atteignable et mesurable. Ensuite, en numéro 2, une fois que tu as noté tes objectifs, le but, c'est plus de fonctionner juste par objectif. C'est aussi de fonctionner, je m'explique, par processus. C'est pas de te dire juste le matin en te levant... Oh, j'aimerais faire 10 000 abonnés sur TikTok. Oh, j'aimerais trop dépasser le million de vues sur une vidéo TikTok. C'est pas juste l'objectif. Il faut que tu mettes en place des processus. Donc, si tu es TikToker, ça veut dire que tu es créateur de contenu. Donc, bah, comporte-toi comme un créateur de contenu. C'est-à-dire que tu as un planning où tu te dis, bah, le lundi, je vais réfléchir à quel TikTok je peux faire. Je vais un petit peu aller sur l'application, regarder quelles sont les musiques tendances, quels sont les TikTok tendances, qu'est-ce que je peux faire, etc. Le lendemain, tu te trouves des sessions où tu peux filmer avec ton téléphone. Si tu as une ring light, c'est bien. Et vraiment réfléchir à comment tu peux tourner justement ta vidéo pour qu'elle soit attrayante pour les gens. 3, c'est vraiment trouver du temps pour éditer ton TikTok pour qu'il ressorte de la meilleure des façons possibles. Parce que plus tu auras du travail de qualité, et plus ça va donner envie aux gens de regarder tes TikTok, de rester plus longtemps sur tes TikTok, de les rejouer et de les partager. Donc ensuite, c'est très important dans la création de tes TikTok que tu réfléchisses au code de TikTok et à chaque fois que tu crées une vidéo, que tu te dises soit j'ai compris une tendance et je veux surfer sur une tendance de vidéo, soit j'ai la musique aussi qui est tendance, c'est-à-dire que c'est une musique que tout le monde utilise en ce moment, c'est encore le début de la tendance, donc je peux essayer de surfer dessus. 3, comment tu vas filmer ton TikTok pour que ça se démarque des autres? En fait, il y a une technique sur TikTok. Il faut savoir que TikTok, c'est pas comme YouTube. Tu vois, par exemple, sur YouTube, on doit faire des longues vidéos, bien s'exprimer, bien expliquer le message qu'on veut faire passer. C'est une façon de retenir les gens sur l'application. Mais TikTok, c'est un autre modèle et c'est une autre façon de penser. Donc, la pensée des créateurs de TikTok à l'origine, c'est justement d'avoir un format de courtes vidéos, genre maximum 15 secondes pour retenir justement l'attention des personnes qui regardent la vidéo. Si la vidéo elle est trop longue et que ça met du temps à arriver, on sait pas, c'est vraiment du contenu que tu consommes tout de suite et rapidement pour passer à autre chose, et on estime qu'une vidéo de plus de 15 secondes, ça commence à être ennuyant et ça peut faire quitter justement l'utilisateur de TikTok
on sait, c'est un public jeune, ils veulent l'information tout de suite, maintenant, un truc punchy. On ne veut pas attendre, on veut quelque chose de qualitatif. Déjà prêt, clé en main, voilà. Il faut savoir qu'il faut respecter cette règle. Une vidéo de 15 secondes, c'est très très bien. Et essayer de mettre à la fin quelque chose d'inattendu. En fait, le fait de mettre à la fin quelque chose d'inattendu, ça fait qu'on n'a pas bien vu, tu vois. T'as capté ou pas? T'as vu, mais tu te dis, il y a un truc à la fin. J'aimerais bien revoir, j'ai rien compris là, tu vois. Donc du coup, tu vas regarder une deuxième fois, voire une troisième ou une quatrième fois la vidéo pour comprendre justement le message que la personne veut faire passer. Et on sait que sur ce type de réseau, justement, le fait que les gens regardent plusieurs fois ton TikTok, bah, ça donne de l'importance, ça donne de l'intérêt et l'application va pousser ta vidéo à un plus grand nombre de personnes. Donc, il y a des codes à respecter sur TikTok. Il y a les hashtags aussi, les hashtags for you. Enfin, voilà, vous connaissez les hashtags de TikTok. Il faut utiliser les hashtags en postant. Ça peut jouer justement sur aussi le fait que votre TikTok se partage un petit peu plus. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous créez votre vidéo, de vous dire, voilà, est-ce que je suis sur une tendance? Est-ce que je peux choper une tendance, le cas contraire? Est-ce que j'ai la musique qu'il faut? Est-ce que j'ai les hashtags qu'il faut? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est lent à arriver ou est-ce que c'est assez rapide? Est-ce qu'on comprend ce que je veux faire? Je vous jure, quelquefois, je regardais TikTok, j'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait, la vidéo. Tu sais, quelquefois, il y a des types de blagues que bah, t'as pas trop compris. Donc voilà, essayez de faire en sorte que ce soit aussi clair pour tout le monde. Ensuite, un autre conseil, ça serait de faire des partenariats avec d'autres TikTokers. Quand je dis des partenariats, ça veut dire faire des vidéos, mais pas que tout seul. Si t'arrives à faire des vidéos avec d'autres TikTokers qui ont un peu plus de vues que toi pour justement faire un échange de vidéos et que ben, la personne, ça lui apporte des vues et toi, ça t'apporte des vues, pas forcément des stars, peut-être de tes amis. On sait que pour, dans la plupart des cas, quelquefois, vous connaissez déjà des personnes qui sont sur TikTok, qui ont réussi sur TikTok. Tout le monde a un exemple de quelqu'un qui a réussi sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire justement des échanges de vidéos. Ensuite, si vous avez une page TikTok qui a bien fonctionné, n'hésitez pas pour gagner de l'argent sur TikTok. Ça passe aussi par le fait d'intégrer le programme de créateur TikTok. Donc, intégrer le programme de créateur, il y a des conditions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions, mais elles ne sont pas inatteignables pour vous. Comme je vous ai dit, mettez à plat vos objectifs, travaillez vos vidéos, comportez-vous comme un créateur de contenu, ayez un programme clair à la semaine. Si vous voulez vraiment que bah, gagner de l'argent de TikTok et vous dire que vous ne faites pas des TikTok dans le vide et que ça peut vous rapporter quelque chose, que vous voulez vraiment devenir sérieux et ouvrir TikTok comme une opportunité business, comportez-vous de cette façon-là et je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous plaire en allant plus loin avec l'application. Autre chose, si vous ne pouvez pas encore vous inscrire au programme TikTok pour les créateurs de contenu, pour gagner de l'argent de vos TikTok directement par la plateforme, il y a aussi l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est un moyen pour vous facile de vous faire aussi de l'argent sur TikTok. C'est-à-dire, je m'explique, exemple, vous par exemple travaillez au quotidien avec des produits que vous avez achetés sur Amazon. Si vous avez acheté des produits sur Amazon et que vous souhaitez en faire la promotion, vous pouvez le faire avec un lien d'affiliation. Montrez par exemple 10 produits incontournables pour vous, je sais pas, pour votre make-up que vous achetez sur Amazon et avec des liens d'affiliation. Les liens d'affiliation, ça fonctionne ou qui renvoient vers un site ou qui renvoient vers un endroit où on peut cliquer sur des liens d'affiliation. Donc n'hésitez pas à y réfléchir et à vous dire comment je peux intégrer justement l'affiliation à mes vidéos TikTok ou à des renvois qui pourront faire fonctionner ce système-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur comment gagner de l'argent sur TikTok. J'en suis sûre qu'il y a des idées auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Mais moi, je suis confiante. Je sais que vous allez réussir et que vous allez atteindre vos objectifs. Comme je vous ai dit, je vais faire plein d'autres vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram Reel, parce que les réels Instagram aussi, c'est super tendance. Pareil que TikTok, Instagram a mis en place les réels, YouTube a mis en place les shorts,
Et aujourd'hui, là, il faut aller sur ça parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En ce moment, comme je vous dis, c'est ça qui va faire que vous allez gagner en visibilité. Moi, j'ai vu des chiffres de ouf par rapport au réel Instagram. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, ça peut vous intéresser et que si vous vous concentrez, on peut faire ensemble des belles choses sur ces réseaux-là. Si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications. Je vais te mettre mon Instagram juste là et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.